Et salut à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur du gameplay, les flammes de l'enfer de Deadpool. À tout de suite. Et bonjour, j'espère que ça va bien. Un petit raid Deadpool, alors c'est la raid 60, le plus gros, les flammes de l'enfer. Alors apparemment là, ils ont atteint le 60% à 18, donc j'espère qu'il nous reste un petit peu de miettes. Je me suis pas encore inscrit. Moi, je suis Team 3 à 60%. Hop. Ok, donc il me reste quelques trucs à faire. C'est cool, ils sont quand même assez sympas. Allez, hop, on va se faire au moins 5 combats. Je sais pas si j'ai des recharges de raid. Si j'en ai, on en fera plus. On en fera plus. Mais je ne sais pas du tout si j'en ai. La dernière fois pour le live, j'en ai utilisé 2 ou 3. Et je crois que c'est tout ce que j'avais. On va voir, on va voir. Donc une team raid de type normal et qualitative, hein, bien sûr. Ma team raid de d'habitude, quoi. Hop. On va dispel le Drax, on va ralentir les 4 là-bas. Voilà, donc ça demande quand même un petit peu de technique le raid Deadpool, parce que vous pouvez vous faire one shot un personnage très 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 rapidement, et donc voilà, faut quand même assez bien gérer. Hop, on va essayer de le dispel, il a encore sa provoque, je peux pas heal mon captain, donc ça sert à rien de le skill 2. Allez, voilà. Alors là, avec Yondu, dans des raids comme ça, faut tout le temps faire pop. Hein. Le skill 2 a plus d'importance que le skill 3, limite. Faut un maximum de minions. Hop, il est déjà 2. Là, je peux heal mon captain, je le heal. Faut énormément économiser aussi les heals de son infirmière de nuit. Hein, parce qu'on peut vite tomber à... On peut vite être en retard, en fait. Donc là, on va essayer on va accélérer la vitesse de tout le monde. Electra, c'est un petit peu chiant parce que ça peut one-shot quelqu'un. Donc il faut très très vite la tomber. Très 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 vite la tomber dans ce genre de raid. Electra, faut pas que ça fasse un pli. On va la stun d'ailleurs. Voilà, au cas où elle jouait avant. Parce que si elle fait son skill 3, c'est très très problématique. Ok, donc là il reste plus que 2, donc on va finir tranquillou. On recharge les sorts. Voilà. Hop. J'aurais bien mis un petit coup de heal sur mon captain, mais tant pis. Ah, si c'est bon, je vais avoir le temps. Voilà. Hop, on est paré pour celui d'après. Bien préparer ses skills. Parce qu'il y a certaines vagues qui sont quand même assez violentes. Mais dans l'ensemble, bon, faut quand même une bonne team. Faut quand même une bonne team. Hein. Mine de rien, je pense qu'à partir des teams à 90, 95K, vous êtes assez à l'aise, quoi. Vous pouvez faire avant, hein, mais à partir de là, vous commencez à être vraiment à l'aise. Deuxième combat. Si vous voulez la strat, je ne l'ai pas mis, mais si vous voulez la strat, je peux vous passer la strat. C'est les Américains qui ont fait ça, comme d'habitude. Là, eux, ils AOE, donc ça sert à rien que je fasse pop mes minions. Quoique, c'est pas au premier tour qu'ils AOE, c'est au deuxième. On va les faire pop, on va vite le savoir. Donc là, il faut essayer. Ouais, si, c'est bien ce tour-là. C'est bien au premier tour qu'ils AOE. Que je le tue avec mon skill 1. Hop. On va accélérer la vitesse. On tue celui-là. On finit par celui-là. Il nous en restera 6 après. Voilà. Prendre son temps. Bon, il y a du temps, hein, quand même. C'est 5 minutes. Hein. Mais quand je dis prendre son temps, c'est... Faut bien gérer la situation. Hein.
Donc là, l'Electra en première, ça c'est vraiment. Parce que si elle skill 3, ça pique. Hein. En plus, elle se met furtive, donc on peut pas la taper quand on veut. Ça, c'est un vrai souci. Hop. Pour accélérer la vitesse de tout le monde. En termes de heal, on est pas mal. Heureusement que j'ai fait pop mes bouibouis, ils sont tous morts. On va ralentir de l'autre côté. Il faut que ça proc un petit peu comme ça, Black Widow. C'est quand ça proc que c'est fort. On va essayer de buter lui qui est quand même dans un angle super chiant vu qu'on ne peut pas taper Electra. Ok, il est mort. On va taper celui qui est dans l'angle là-bas. Voilà, voilà, skill 3, elle a mis. Elle a mis 60% ou 65% de dégâts à ma quake, à mon infirmière de nuit. C'est vraiment Electra sous buff def. Hein. Sans buff def, elle l'aurait probablement one shot. Electra, c'est dans ce raid-là, c'est quelque chose qui pique, mais quelque chose de sévère, quoi. Faut vraiment faire attention. Donc là, je vais avoir une petite AoE dans pas longtemps. Je peux faire skip 3, voilà. Hop. Voilà, on va coucher un petit peu du monde. On va finir cette Electra, finir lui, et c'est bon. Ok, ouais, donc voilà, surtout Electra, faites attention. Je me répète, mais. Hop, donc ça, c'est mes trois combats que j'ai solo sur ma lane. La stratégie fait que. Donc je vais faire mes trois combats. Je crois qu'après on a un boss. On va le faire ensemble. Et il me restera du coup un combat, peut-être deux. Je peux peut-être recharger, je sais pas. Alors, je sais pas si vous avez vu. Enfin, en ce moment il y a le choc Black Panther. Jouez-le. Clairement, jouez-le. C'est un choc Black Panther quoi. Donc clairement, jouez-le. Il y a aussi l'event Iron Man, j'ai fait une petite vidéo dessus. Jouez-le. Jouez-le clairement. Ce que j'aimerais bien tuer, c'est plutôt ces deux-là du fond. Là. En général, ce que je fais, c'est que j'essaye de. Ouais, ça va. J'essaye de garder. Luke Cage et Jessica Jones. Et je tape tout ce qu'il y a autour parce que eux, vu qu'ils les boostent, toi je vais dispel. Hop, et là encore ça provoque. Ça, c'est la merde. On va booster la vitesse de tout le monde. Allez, là on dispel. Ok, c'est bon. Je les dispel. Ça serait pas mal qu'on arrive à finir l'Iron Fist là. Ok, ça c'est parfait. Là. Je vais stun le Punisher plutôt. Ouais, parce qu'il est très très squishy, il a pas beaucoup de vie. Je vais très très vite le tuer. Hop. Et hop. Et voilà. Alors là, par exemple, le but c'est de tuer direct Doctor Strange le plus vite possible. Parce qu'il va dispel toute ma team. Bon là ils sont en fin de buff. Là, faut buff personne. Hein, parce que si joue le Doctor Strange. Il débuffe tout le monde. Donc ça sert à rien de. Il va jouer. Ah, ben, il a pas skill 3. Bon, parfait, très bien. Hop. Et là, il nous reste plus que ces deux-là. On va recharger nos skills 2, nos skills 3. Et remettre full life tout le monde. Hop. Et on sera pas mal. On sera pas mal du tout. On va finir le Hulk parce que là, vu qu'il est en dessous de 50%, il va faire pas mal de dégâts s'il me tape. Voilà. Ok, et on arrive sur le boss, on a tous les skills. Ça devrait plutôt bien se passer. Reste deux attaques. Reste deux attaques.
sera déjà pas mal pour commencer. De toute façon, je pense qu'on va faire que 5 ou 6 attaques si je peux refil. Parce que sinon, ça me ferait réenregistrer ce soir. Donc on va se faire ça. Hop, hop. Hop. Alors là, il n'y a pas d'AOE, ils vont tous se buff dès le début. Donc là, on va faire pop des bouibouis. Voilà. Parce que là, ils vont tous se buff en fait. Il n'y a pas de risque. Et on va commencer à taper dans les angles directement pour ce qui est de l'histoire des cibles adjacentes. Hop. Pour optimiser son DPS en fait. Et bonjour! Oh, ben alors, un petit chien! Un petit chien! Oh, tu es heureux! Oh là là, c'est un chien! Le chien qui a pu. Oh là là, je t'ai vu. Il y a plein de rap à peau. J'enregistre, bonjour! Non! C'est ici! Yoda, viens ici! Oh, mais laisse-le! Mais t'enregistres quoi? Ben, une vidéo? Si tu t'approches, on va te voir. Et c'est la vidéo qui... Après, tu l'as coupée, ça? Non. Si, tu veux jouer. Pourquoi? T'as des droits sur ta voix? Non, mais c'est pour pas qu'on voit ma tête des cuisses sur YouTube. Ah, si, du coup, je suis pas censé trop couper. Ok. Hop. Tu parles avec les gens. Du coup, je parle avec les gens, ouais. C'est qui ces gens qui squattent chez toi? Déjà. On peut avoir une photo du chien? Pourquoi je voulais donner à boire si tu connais pas? Dans la vieille casserole toute chelou là, qui a celle où il n'y a pas de poignée, genre. Celle où je donne mon chien. Ah, oui. Hop, bon, est-ce qu'on pourrait tuer ce Deadpool là? Ça serait pas mal. Et sous Winter Soldier, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Aïe, j'ai perdu Yond. Aïe. Regarde pas, je suis pas concentré. Envoyez tout le monde. On va buff tout le monde. Il va vraiment falloir qu'on stun lui parce que bientôt il va tuer quelqu'un. Allez, on tue le Deadpool. Voilà. Et on passe. Oh, il ressuscite. Aïe. Bloqué. Hop. Ok. Il ne reste plus que le Winter. Le combattant de l'hiver, là. À tomber. C'est le seul vrai risque qu'on a, là. Hop, on va heal le capitaine. On va se donner un petit peu de vitesse d'attaque. On va buffer tout le monde. Allez, j'ai perdu. Oh là 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 là. Je sais pas comment je me suis débrouillé là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, toi tu bouges. Bouge. J'ai pas été attentif à ce qui s'est passé là. Je sais pas ce que j'ai. Bon, ah, j'ai réduit tout le monde. Hop. Et puis je fais n'importe quoi, tu vois. Et voilà. Oui. Quand c'est ce qu'il veut, ce gros chien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, il nous reste un combat. De toute façon, on va raise. Hop. On va raise le Yondu. Et la Quake. Voilà. Je sais pas si c'était pas un boss où on était là, c'était celui d'avant, ou c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, je l'aime bien celui-là. Celui-là, il est simple. Extrêmement simple, ça. Hop, on va ralentir ce côté-là d'abord. On va stun. Pas dû, je vais plutôt garder mon AOE là. Garder mes AOE pour quand tous y vont pop.
Puis lui, on va tuer celui-là du milieu. Hop. Voilà. On va tuer celui-là du fond, ils vont tous pop. J'aurais dû, là, je fais de la merde. Allez, on remet tout le monde full life, on finit celui-là. Ok, tout le monde est full life, donc là ça va. Hop, on tue celui-là. On va remettre Quake Full Life, on va descendre ce petit câble tranquillement. Allez, 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 tombe, allez, allez, ah, il va avoir le temps de jouer. Allez, on t'a dit, voilà. Et là, c'est l'hymne à la cruauté. Tout, 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 tout. Zzz. Et voilà. Et voilà, voilà où. Je vais voir si je peux recharger, mais je pense pas. Ça m'étonnerait. Ah, une petite recharge. Allez, on se fait cette petite recharge. Donc là, du coup, en fait, le boss était dans l'angle là, hein, là où j'ai perdu deux monstres, en fait. C'était un boss. Allez, on va dépiauter jusque-là. Après, il restera plus que les deux attaques avant le boss final. Et ça devrait bien se passer, vu que toute la team se retrouve dessus. Ça devrait bien se passer. Plein de rapapeau, ce chien. Hein? Oui, t'es plein de rapapeau. Alors. Donc là, on peut faire pop direct avec Yondu parce qu'il n'y a pas d'AOE en face. Allez, on va heal tout le monde. Je vois que mon Yondu n'est pas max, ma Quake non plus. On va mettre du heal sur tout le monde. Il a toujours la provoque. Hop, on dispelle, il résiste. On va le tuer. On le tue. Allez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai qui pop après là? Je vais peut-être garder mon skill 3 là. Je vais le garder. Garder mon skill 3 de Quake. Plutôt finir celui-là. Les deux sont sous provoque de toute façon. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Ah, je croyais qu'il avait bugué mon jeu. Ok, il est plus sous provoque. On va tomber la petite sur le côté là. Hop, voilà, on tire ce côté-là plutôt. On tue celle-là. Hein, l'autre, elle est furtive. Donc on peut pas, on va tuer le tank. Ok, on est pas mal. Buff def. On fait pop toujours, dès qu'on peut, on fait pop, on fait pop.
On donne de la vitesse d'attaque. Hop, plus que 3. C'est les 3 derniers. Donc là, on va commencer par Black Widow. Essayer de la stun, voilà, avant qu'elle se stealth. Comme ça, on peut lui faire beaucoup, beaucoup de dégâts. On ralentit les 3. On tue la Black Widow. Voilà, comme ça, on est tranquille. Il ne reste plus que le Hawkeye. Et ça va aller vite. Le Hawkeye, il va pas souffrir. On récupère ses skills 2, ses skills 3 pour le prochain combat. Sans le captain, c'est pas lui qui va me tomber ma team, je vous le dis direct. Et voilà. Et voilà un petit peu de gameplay. Red Dead Pool 60. Qu'on fait à 100% nous. Si vous voulez la strat, n'hésitez pas à demander. Je vous passerai ça. Ou de m'envoyer un message sur Facebook. D'ailleurs, les liens sont en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'en profite pour vous dire que mardi soir, il y aura un live à 20h. Soyez là, ça va être très, très intéressant. On va pouvoir interagir ensemble et ça va être vraiment très cool. Et voilà. Merci, abonnez-vous, ça fait plaisir. Un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao.